Au cours de l'exercice 2017, le groupe Banque Populaire a réalisé de bonnes performances en comparaison par rapport à l'année 2016. A contribué à ces résultats l'ensemble des filiales marocaines, mais également les filiales, donc les banques et les assurances qui sont présentes en Afrique. Nous travaillons depuis longtemps sur la croissance ou l'expansion de notre groupe dans différents pays africains. Évidemment, nous regardons les opportunités au fil de leur présentation. Nous avons réalisé, comme vous l'avez rappelé, effectivement, une acquisition de deux filiales du groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne à l'île Maurice et à Madagascar récemment. Et évidemment, c'est le début d'une série d'opérations qui sont programmées et sur lesquelles nous travaillons depuis un certain temps. Je pense que 2018 verra la réalisation d'un nombre important d'opérations de croissance externe de notre groupe en Afrique. Le groupe Banque Populaire a été pionnier en matière de lancement d'opérations au niveau du digital. Déjà en l'an 2000, nous avons lancé le Chabi Mobile avec les opérations SMS qui permettent d'avertir la clientèle du groupe. Nous avons aujourd'hui plus de 2 millions de clients marocains qui sont abonnés à ce service. Mais nous travaillons depuis plusieurs mois sur la digitalisation des parcours clients. Donc nous allons lancer dans les jours à venir évidemment le produit BPay, qui est un produit évidemment de paiement sur le mobile, qui permet de transférer pour des petites opérations des flux financiers entre différents clients. Mais nous allons surtout annoncer dans les semaines et les mois à venir beaucoup de parcours clients, notamment pour ce qui concerne le crédit immobilier ou le crédit consommation, qui seront entièrement digitalisés.